Dans quelques jours, le tribunal correctionnel de Marseille va rendre sa décision concernant Jean-Noël et Alexandre Guérini. Jean-Noël Guérini, c'est un homme politique marseillais, aujourd'hui sénateur des Bouches-du-Rhône. Quant à son frère Alexandre, c'est un homme d'affaires également installé à Marseille. Alors que s'est-il passé pour que tous les deux se retrouvent assis devant une juridiction pénale ? À l'époque des faits, Jean-Noël Guérini est un baron local du Parti Socialiste, ancien maire d'arrondissement, sénateur, président du Conseil Général des Bouches-du-Rhône. Et son frère Alexandre, lui, possède plusieurs sociétés de gestion de déchets. Ces sociétés signent régulièrement des contrats avec les collectivités locales, ce qui est après tout à fait normal. Mais pourtant, c'est à partir de ce moment-là que ça part en bibrine. La bibrine est une confiserie inventée à Marseille au début du XXe. On s'en fiche. Ici, c'est une chaîne de droit, c'est pas une chaîne de confiserie. Ah bon ? Bon, reprenons. À partir de ce moment-là, ça part en sucette. Ça aussi, c'est une confiserie. Bon, à partir de ce moment-là, ça part en c***. J'essayais d'utiliser un équivalent poli, mais visiblement, de temps en temps, la grossièreté permet de gagner du temps. Donc ça part comme je viens de vous dire, puisqu'il semble que les frères Guérini aient profité de leur situation respective pour contourner les règles de marché public, et ceci afin d'en tirer un profit personnel. C'est en tout cas pour ça qu'ils sont poursuivis devant le tribunal correctionnel en compagnie d'une dizaine de co-inculpés. Alors ce procès est le résultat d'une instruction qui a duré plus de 10 ans. C'est vraiment une instruction fleuve avec de multiples rebondissements, des dénonciations anonymes, des écoutes téléphoniques, des destructions de preuves, etc. Tout ça ferait d'ailleurs un excellent téléfilm. Je ne détaille pas, mais c'est très bien résumé dans l'article de la Wikipédia. À l'origine, tout ce petit monde a été mis en examen pour un certain nombre d'infractions. Et entre autres pour complicité d'obstacles à la manifestation de la vérité, prise illégale d'intérêt, trafic d'influence et association de malfaiteurs, j'en oublie probablement. Au fil de l'instruction, certains de ces chefs d'inculpation ont été abandonnés simplement parce que le juge d'instruction a estimé qu'il n'y avait pas assez de preuves pour obtenir les condamnations. Et comme toujours, la présomption d'innocence s'impose. Je vais donc surtout vous expliquer ici la principale infraction qui est reprochée aux frères Guérini, la prise illégale d'intérêt. La prise illégale d'intérêt est prévue par l'article 432-12 du Code pénal. Je vous résume ce texte qui est assez long. En gros, il dit qu'il est interdit à un élu d'avoir un intérêt financier dans une entreprise ou dans une opération alors qu'il est chargé de la surveiller ou de la contrôler. Dit comme ça, ça paraît assez évident qu'il y a un risque de manque d'impartialité de la part de l'élu, mais encore faut-il que la loi l'interdise pour que ce soit punissable. La jurisprudence applique régulièrement ce texte et n'hésite pas à condamner des élus qui ont abusé de leur position pour en tirer un profit personnel. Par exemple, la Cour de cassation a décidé que le fait, pour un maire, de signer des contrats avec une société, alors que les associés de cette société ne sont que les prête-noms de son fils, eh bien ça constitue une prise illégale d'intérêt. Pour revenir au frère Guérini, l'instruction a mis en évidence qu'Alexandre, l'homme d'affaires, a profité de la position politique de son frère pour échapper aux règles habituellement applicables au marché public. Pour faire simple, alors qu'un acteur public, une collectivité locale en l'espèce, a besoin de passer un contrat quelconque, achat de fournitures, prestations de services, etc. Tout ceci est organisé par le Code des marchés publics, qui organise la mise en concurrence et l'égalité entre toutes les entreprises candidates, ainsi que la transparence des marchés. Et c'est, semble-t-il, pour contourner ces règles, afin d'obtenir des marchés publics dans le traitement des déchets, que les frères Guérini se sont entendus. Naturellement, je vous résume très rapidement cette affaire tentaculaire. Vous pouvez jeter un œil, comme je vous le disais tout à l'heure, sur la fiche Wikipédia qui la résume. Le procès s'est déroulé au mois de mars et le procureur de la République a requis contre Jean-Noël Guérini une amende de 70 000 euros, 4 ans de séchoir, dont 2 ans avec sursis,
ainsi qu'une interdiction des droits civils et civiques pendant 5 ans, ce qui lui interdirait évidemment de continuer sa carrière politique. Contre son frère Alexandre, il a été demandé 500 000 euros d'amende et 8 ans ferme avec mandat de dépôt. C'est-à-dire que si le tribunal suit ses réquisitions, Alexandre Guérini ne sortirait pas libre du tribunal, mais irait tout droit en prison. Et ceci même s'il faisait appel. Nous verrons jeudi ce qui a été décidé par le tribunal, mais depuis le début de cette affaire, les frères Guérini crient sur tous les toits qu'ils sont innocents et que leur bonne foi finira par triompher. Mais, comme le dit Confucius, il arrive que la fragile tarte au citron meringuée de nos illusions finisse par être écrasée par le lourd parpaing de la réalité. Tu es sûr que c'est Confucius ? Bah oui, évidemment. En attendant, vous pouvez aussi être intéressé par cette vidéo sur une autre affaire politico-judiciaire, l'affaire Big Malion. Vous avez le droit.